Le sixième coupable, c'est moi. Merde. Bon, on va parler vite fait, hein, Joseph. Vite fait, bien fait. Bon, alors, c'est vrai que j'ai pas toujours recoupé mes informations. J'ai fait quelques erreurs, comme l'histoire du policier. J'ai parfois fait appel à des experts dont je savais qu'ils étaient des nuls. J'ai parfois accepté des sujets de merde, par exemple. Quand j'étais à l'hebdomadaire La Vie, on m'avait demandé d'enquêter sur les réactions des musulmans à la mort du pape. Ils s'en foutaient, mais j'ai quand même fait un sujet là-dessus. Bon, parfois, j'ai même commandé des sondages. J'ai même fait un palmarès des villes écologiques. Voilà. Bon, vous voyez, de mon côté catholique, j'ai gardé le sens de la confession. On balance vite, fait bien fait, et puis on recommence. Ça te suffit pas? Ça vous suffit, non? Ça te suffit pas? Tu veux que je parle plus de moi? Mais tu fais chier, Rouletabille. Tout à l'heure, on ne pouvait pas parler de ta vie privée, et maintenant, parce que c'est moi, il faudrait que j'en raconte plus. Ah oui, parce que je suis accusé, là. Et quand on est accusé d'un crime, il faut accepter de livrer sa vie privée. Bon, alors, je commence où? À mon enfance. Je vais commencer avec, ils vont se faire chier, effectivement, j'ai entendu qu'ils disaient. Il faut que je raconte depuis mon enfance mon rapport au milieu. Bon, alors, je vais commencer. Quand j'avais 5 ans, que j'étais en vacances toujours dans ce petit coin de Loire-Atlantique, là près de la Turballe, le Cadillac-sur-Mer, j'ai eu le droit de sortir sans être accompagné, parce que j'allais chercher, acheter le journal de mon père. Et c'était la première fois que je pouvais sortir dehors. Donc vous pensez bien que pour moi, liberté et journaux, ça a été tout de suite très fort associé. La victoire de l'Allemagne servira à l'intérêt français, ne serait-ce qu'en nous débarrassant des Juifs. Voilà ce qu'était la presse française en 40. Une très grosse partie. C'est important à savoir, parce qu'on vient de là aussi. Albert Camus, qui était un écrivain, mais qui était aussi journaliste et créateur de Combat, il a écrit dans Combat en août 44, il a fait le lien entre la marchandisation, déjà de la presse, et la collaboration. Il dit « L'appétit de l'argent et l'indifférence aux choses de la grandeur avaient opéré en même temps pour donner à la France une presse qui, à de rares exceptions près, n'avait d'autre but que de grandir la puissance de quelques-uns et d'autre effet que d'avilir la morale de tous. Il n'a donc pas été difficile à cette presse de devenir ce qu'elle a été de 1940 à 1944, la honte du pays. » Et donc, comme le lien est fait de façon forte entre la soumission aux intérêts économiques, aux puissances d'argent et la collaboration, le programme du Conseil national de la Résistance place cette question en objectif numéro 3 de son programme, en disant « Il faut assurer la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances de l'argent et des influences étrangères. » Et donc on imagine un peu que ça va être un nouvel âge d'or des médias et que ça va être un âge d'or débarrassé justement du poids des puissances d'argent. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Alors dans la réalité, en 1945, on commence par rétablir la loi sur la liberté de la presse de 1881 que Vichy avait supprimée. Et puis il faut se livrer à une épuration. Mais alors, il y a la commission de la carte des journalistes qui devient une sorte de tribunal chargé d'examiner les cas individuels des journalistes. Mais il y a 9000 cas qui sont soumis. Et en fait, ils auront le temps d'en étudier 700. Parce que dans l'intervalle, il faut aussi des journalistes pour travailler. Et puis, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, finalement, on va vite passer l'éponge. Même chose pour les patrons de presse. Même chose pour les ouvriers du livre, dont beaucoup aussi ont été assez actifs du côté collaboration. Alors, eux, pour se refaire une virginité, on leur propose de travailler pour des titres bien connus dans la Résistance, Combat, Témoignages chrétiens, L'Humanité. Et donc, ça va être le moment, d'ailleurs, où le syndicat du livre va passer très fort du côté de la CGT. Et en fait, assez vite, on va assister à une sorte de partage des territoires, c'est-à-dire qu'on va confier aux gaullistes, par exemple, Émilien Amaury va prendre la propriété, la direction du Parisien Libéré, qui va devenir le groupe Parisien Libéré d'équipe. Donc on va confier aux gaullistes la gestion des journaux, et on va confier aux communistes la gestion de la fabrication, des imprimeries, et puis de la diffusion à travers les nouvelles messageries de la presse parisienne qui ont quasi monopole de la diffusion des titres. Et donc, en fait, l'âge d'or est d'assez courte durée, parce que très vite, on va assister à une sorte de partage des territoires qui va bloquer un peu les choses. Ouais, il trouve que je ne parle pas beaucoup de moi, en fait, j'étais censé parler de moi, mais c'était important ce détour par l'histoire. Alors, je reprends un petit peu en ce qui me concerne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, dans les années 60, je suis passionné de radio. Alors, toujours le sport, qui continue à m'intéresser beaucoup, donc j'écoute. Mes parents m'ont offert un transistor, j'écoute beaucoup d'événements sportifs à la radio, les matchs de foot, les Jeux olympiques,
je manque de pleurer quand Michel Jazzy n'est pas champion olympique. Puis après, ben, c'est les années guéguées qui commencent, donc je me mets à écouter Salut les copains, Dans le vent, et puis Campus. Campus, c'est une émission qui est créée en avril 1968, et Europe 1 a eu un peu le nez, parce que un mois après, c'est l'embrasement. C'est l'embrasement de mai 68, moi je suis en seconde, j'ai 15 ans, c'est pour moi un peu la transition, je continue, je vais une journée jouer au foot avec les copains, parce que, et puis une journée, je vais dans les commissions, les comités d'action lycéens. Ma mutation, elle se fait plutôt après le bac, donc quand je commence à faire de l'alphabétisation, à être très engagé dans les luttes de l'immigration, à fréquenter les MAO, comme on dit à l'époque. Et des MAO, j'ai retenu d'ailleurs ce slogan « Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole ». C'était un peu sectaire, mais je trouve que c'est intéressant et que ce serait une notion sur laquelle il faudrait revenir aujourd'hui.